Pour nous, la situation d'Abdullah Öcalan, c'est important de dire qu'il faut libérer Abdullah Öcalan parce que c'est le leader des Kurdes, parce que les conditions dans lesquelles il est détenu ne sont pas acceptables, et surtout parce qu'on croit que la libération d'Abdullah Öcalan, ça servirait à chercher une résolution à un problème kurde, à la discussion entre le Kurde et la Turquie, et comme leader historique des Kurdes, et d'une façon à dire voilà, on va résoudre cette situation. Parce que cette personne a des propositions à faire, à décider, qui peuvent amener à une résolution constructive et démocratique de la question. Donc pour nous c'est important, et c'est une des choses qu'on demande au gouvernement de la Turquie de faire face à cette situation. Et pour nous, la campagne de la libération d'Abdullah Öcalan, c'est important parce qu'on a eu notre propre campagne ici au Pays Basque de Arnaldo Tegui, Frio Tegui, et on comprend très bien que parfois c'est dans la campagne de la libération de quelqu'un qui on met dedans toutes les affaires. Et pour nous, c'est important de montrer notre support, notre appui pour cette campagne parce que ça nous sert à exprimer aussi notre solidarité au peuple kurde. Et ça nous sert à croire qu'il peut avoir un monde mieux pour tout le monde, pour les Basques et pour les Kurdes aussi. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça s'arrête tout. Merci beaucoup.